YouTube. Premièrement, j'espère que vous allez bien, j'espère que toi tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon Noël, un bon réveillon, un bon mois de janvier, février, mars et même octobre, novembre, décembre. Cette vidéo est une sorte de vlog qui va regrouper en fait tous les événements importants qui se sont passés dans ma vie professionnelle ou personnelle un petit peu, on s'écarte un petit peu, depuis le mois d'octobre. J'espère que tu vas kiffer, c'est parti. J'ai tout noté sur un post-it et si jamais tu te demandes pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis le mois d'octobre, je vais t'expliquer, c'est assez simple. Le 20 octobre, ma caméra est tombée alors que je filmais un projet, elle est tombée par terre. Voilà, elle s'est cassée en fait, l'objectif était cassé. Et je t'avoue que c'était assez compliqué, j'avais plus de caméra. Cependant, après je suis partie en voyage avec mes amis internationales à Barcelone, entre potes, c'était génial. Décembre, je suis allée voir le concert de la chanteuse Angèle avec ma meilleure amie Céleste et c'était génial. Il y a néanmoins un message d'une grande importance que je voudrais faire passer à tous ceux qui parlent comme des animaux de toutes les chats. Est-ce qu'il y a des filles dans la salle ce soir? Ensuite, pendant le mois de décembre au lycée, on a eu la chance de pouvoir réaliser une collecte de vêtements pour les SDF, les sans-abri, et j'ai eu la chance de pouvoir filmer l'expérience pour en faire une vidéo. Comme tu le vois sur mon post-it juste ici, après la collecte de vêtements, on arrive au bal. Et oui, j'ai eu un bal au lycée, j'ai eu la chance d'avoir un bal dans ma section, mais aussi qui était ouverte aux autres sections et c'était incroyable, j'étais avec mes potes, j'ai kiffé ma soirée, on a dansé, j'ai kiffé franchement. Ensuite, pendant les vacances de février, je suis partie en voyage avec ma copine Esther chez sa tante à la montagne et voici quelques images parce que c'était magnifique. Pré-vlog. All my friends think you're vicious, and they say you're suspicious. You keep dreaming and dark scheming. Yeah, you do. Voilà, j'ai eu le soleil qui descend. Oui, après ça revient. Pendant les vacances, j'ai également travaillé sur un court métrage. Je te mets quelques petits extraits de moi en train de brainstorming parce que j'ai plein d'idées. J'avais plein d'idées, j'ai essayé de travailler sur un court métrage. Ça veut pas dire que je vais le réaliser, mais en tout cas, je suis en train de travailler dessus. Et en fait, j'ai même déchiré mon post-it, voyez. Bonsoir, aujourd'hui nous sommes le 3 mars 2019 et j'ai eu l'idée d'un court-métrage génial cet après-midi alors que je faisais du jardinage avec mon père et mes sœurs et en fait j'ai documenté, donc j'ai eu l'idée au fur et à mesure, ça m'est venu petit à petit, mais en fait j'ai documenté le court-métrage tandis qu'il jardinait en fait. Et donc en fait il jardinait et moi j'ai commencé à documenter le jardinage en fait qu'il faisait avec des zooms, beaucoup de zooms. J'ai vraiment dépassé la zone de zoom autorisée dans un court-métrage je pense. Parce que j'ai vraiment kiffé en fait, j'adore cette caméra pour les zooms, je trouve que c'est une caméra incroyable pour plein de choses, mais les zooms c'est vraiment un truc qu'elle gère de fou. Ce qui fait que j'étais là avec mes plantes en train de jardiner, etc. Et puis je voyais des trucs, et puis je me suis sentie inspirée en fait, j'ai pris une respiration, j'ai regardé les herbes, le soleil, j'ai commencé à être attentive à tout, et c'est là, à ce moment-là, précisément, que mon esprit créatif a commencé à faire pou, 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 pou. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai hâte de savoir si jamais ça va se développer en un vrai projet.
Ah si, ça va, il est trop beau en fait. Raphaël Gauss, Radio Solaire. C'est un peu de la glace. Hein. Et finalement, parce qu'on est le samedi 16 mars, hier vendredi 15 mars, partout dans le monde comme tu le sais, il y a eu la grève internationale pour le climat. Et j'y ai participé, voici quelques images, c'était incroyable. D'ailleurs, à propos de la grève pour le climat, je suis en train de travailler, du moins j'ai commencé à travailler pendant les vacances de février sur un très gros projet qui me tient très à cœur, qui est un documentaire. Donc je vais essayer et je me mets au défi de produire un documentaire sur la jeunesse et le climat. Donc je te tiendrai au courant de comment ça va, je vais interviewer des personnes connues ou pas. Du coup, je te tiendrai au courant, ça sortira en mai, du coup sois prêt. Voilà. J'ai plus rien d'autre à dire. J'espère que t'as kiffé ce vlog. J'espère que c'était un format sympa. Ça fait des mois que j'ai envie de le faire, mais c'est vrai qu'en fait, à chaque fois, j'ai plein de petites séquences de plusieurs événements et j'ai besoin de les placer quelque part. Donc, je me suis dit pourquoi pas le faire dans un vlog en tout.